J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Tu veux toujours que je l'attache au bateau ? Atreus. Ça suffira. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent.
courrier, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Retrouve les tiens. Tu es libre. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Père, pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne ? Ça dépendra de toi. Allez. Qu'as-tu trouvé ? Des traces. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Attends ! Tu as raté celle-là. On se rapproche. Mais c'est pas un cerf. Tu vois ? Le bout est trop large. Une chèvre sauvage, peut-être. Ta mère t'a bien appris. Oui. Thank you.
Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula! Et maintenant? Par ici, Atreus. Hop! Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici! Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Wow. Vas-y. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le voilà! Attends! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier! Tu ne tires! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Des drogards. Ils s'aventurent pas si près de nos voies d'habitude. Avance. Le cerf est par là. Je vois d'autres traces. Oh non, on peut te suivre.
Ils avaient juste faim. Quoi? Les loups, ils faisaient rien de mal. Ils avaient juste faim. Oui, c'était sûrement ça. C'est quoi? Il n'en a plus l'utilité. Nous aussi. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Un moyen d'ouvrir cette grille. J'attendais presque à trouver un troll sous ce pont. Tu n'es pas prêt pour les trolls, mon garçon. Je sais, je... Oui, père.
Elle se referme aussitôt. Et maintenant ? Tu l'as figé ! Pas bête. Bon. Bien joué. Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. Là, regarde. Oh, regarde, c'est Scoliati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça, tout le monde se bat? Père, regarde. Attends mon signal. Détends-toi, essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible, vide ton esprit. Détends ton bras et inspire. Solide sur tes appuis, ne bouge pas. Expire et lâche la corde. Bien. Il est encore en vie. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. Oh.
pas le choix. Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne! Atreus, regarde-moi! Regarde-moi, Atreus! Atreus, regarde-moi! Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf! J'ai fait des preuves! Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Le chemin vers la maison est par là. T'arrives toujours pas à ouvrir les portes, hein? Silence. Ah.
t'ai bien dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. Brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Allez, rentre. Pourquoi les choses seraient différentes maintenant qu'elle est... Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe? Je veux que tu essaies. Aïe! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça? Silence. Sors de là! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es! Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es! Atreus, sous le plancher! Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous! Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien! De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée! Rentre là-dedans! Dis-moi seulement ce que je veux savoir! Inutile de faire couler le sang! Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà.
Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Ah! Chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin. Tu aurais dû écouter. Non. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Non. D'accord. À mon tour. Ah, je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Dis-moi ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'île? J'ai touché un point sensible, on dirait. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent, tu n'aurais pas dû venir en garde. Bien, on remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Pathétique.
De tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. Nous aurions pu éviter tout ça. Pas des... Tu ne peux pas gagner! Je ne sens rien! Mais toi... Tu sens tout, et pourtant, tu continues à chanter. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non! Finissons-en. Tu ne peux pas me battre! Qui était-ce? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé?
Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien? Je vais bien. Bien. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. La montagne. Ça va être un long voyage. Oui. Mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ?